Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui bien sûr c'est petit tirage spécial pour les Capricornes, le petit bonus que je vous avais promis, donc pour le mois de juillet 2021, parce que j'avais oublié déjà je crois le mois dernier, donc et je crois aussi peut-être le mois de juillet. Donc je vous fais, comme je vous ai dit, un petit bonus avec Monsieur Bellin, tirage à 13 cartes. Donc on y va, et donc voilà, je voulais encore m'excuser, donc je suis à la bourre, donc voilà, parce que j'ai complètement zappé. Quand je fais un tirage du destin, et ben je vous fais un tirage en croix, c'est l'habitude, donc voilà. Donc là je vous fais un petit tirage du destin avec Monsieur Bellin, donc petit bonus pour ce mois de juillet 2021 que j'avais promis. Mais je crois que j'ai oublié aussi les Sagittaires, donc je vais faire aussi un petit tirage spécial bonus Sagittaire. Allez, on y va, c'est parti, mes amis Capricorne, pour ce petit bonus. Tirage du destin avec Monsieur Bellin pour le mois de juillet 2021. Alors, je ne me rappelle plus, je vous dis ce que je vous ai sorti pour ce mois de juillet. Donc, il y a peut-être des choses en plus qui vont ressortir ou des choses qui vont accentuer, bien sûr, ce que je vous avais ressorti pour ce mois de juillet 2021. Donc, moi, je vous dis, je ne me rappelle plus. J'ai pas été voir, donc voilà, comme ça, c'est... c'est mieux, comme ça je vous annonce la couleur. Donc il y a peut-être des choses en plus que je vais vous dire. Ou sinon ça va concorder par rapport à ce que je vous ai déjà dit pour ce mois de juillet 2021. Donc là mes amis Capricorne, on nous parle de nouvelles. On nous parle de pourparlers. Donc vous voyez ces petits, enfin ces oiseaux là, je ne sais pas si c'est des aigles ou je ne sais pas quoi. Mais en tous les cas ils sont perchés sur un arbre. Vous en avez un qui se balade autour d'eux. Et on est en train de jacasser, on est en train de parler. Donc on parle peut-être sur votre dos, en tous les cas, ça, c'est vrai que cette carte-là n'est pas une carte, on va dire, positive en soi, puisque vous allez avoir des nouvelles de ces personnes qui jacassent sur votre dos. Concernant aussi, ça peut être la carte aussi de tout ce qui est papier, tout ce qui est nouvelle. Et en plus, on a la carte de la nouvelle juste à côté. Donc peut-être des nouvelles de personnes pas bonnes autour de vous, je regarde juste derrière à côté. Concernant des gens qui essayent de partir, où il y a eu, ou peut-être qu'on vous demande de vous éloigner, de prendre votre envol par rapport à ces gens-là, suite à une situation. Alors, ça peut être dans le domaine d'un héritage, et concernant aussi une procédure, suite à un héritage, suite à un décès, mais on vous dit que vous avez la protection. Donc là, on vous demande de vraiment balayer, vous allez avoir des nouvelles de ces personnes-là, mais on vous dit bien qu'il va falloir prendre vraiment votre envol par rapport à ces gens-là. Et en ayant des nouvelles de ces personnes-là et en prenant cet envol-là, vous aurez enfin la paix, la tranquillité. Donc, il y a une situation pour vous, mes amis Capricornes, concernant une situation peut-être d'héritage, concernant de gens d'une procédure en tous les cas, parce qu'on a le procès quand même derrière, face à des gens qui ont été plutôt dans du style commérage, ça blablate. Et on vous demande de passer au-dessus, on vous demande de partir de tout ça, d'accord? Mais en tous les cas, vous allez avoir des nouvelles de ces personnes-là. Allez, on va regarder tirage du destin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va, je suis encore compté. La mer au lait. Bon, en tous les cas, là, on nous parle de projets. Donc, il y a des projets qui vont se concrétiser. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Peut-être des projets d'amour, des projets, mais peut-être dans le domaine professionnel. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une carte positive. Mais on va regarder derrière le dos de deck. Derrière cette carte, normalement, vous les voyez toutes, impeccables. C'est parti, j'ai les poils de la Lilou, bien sûr. Elle monte sur la table, donc comme ça, on est tranquille. Bon, en tous les cas, vous avez des projets. Ça, c'est clair et net. Mais face à ces projets, vous avez des ennemis. Il y a quelque chose quand même d'inattendu face à ces personnes que, comme on parlait de pourparler, vous voyez, vous avez des gens pas bons autour de vous. Bon, après, qui n'en a pas, bien évidemment. Mais, vous voyez, on retrouve cette carte de protection. Vous êtes protégé de là-haut. Alors, peut-être que vous avez une personne qui vous protège. Si vous avez perdu votre maman, votre papa, malheureusement un enfant ou une tante ou une grand-mère, un grand-père, en tous les cas, on vous protège. Mais concernant ces projets-là, vous allez voir sans doute des gens inattendus, quelque chose de inattendu. Le hasard fait que vous allez vous apercevoir qu'il y a des gens pas bons autour de vous. Mais vous êtes protégé face à ces gens pas bons. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. On retrouve cette carte de procédure. Donc il y a bien une discussion, un procès, une discussion vive, quand les deux épées se croisent, vous allez devoir vous battre ou vous vous êtes battu par rapport à une procédure, mes amis Capricorne, concernant des gens pas bons autour de vous, concernant une trahison, d'accord? Alors, bien sûr, tout à l'heure, je parlais
dans le domaine, on verra si c'est par rapport à la famille, etc. Mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Vous êtes peut-être en procédure avec votre patron, votre patronne. En tous les cas, il y a une procédure face à une trahison, à des gens pas bons autour de vous. On nous parle, on s'est confirmé, ça serait plutôt dans le travail pour certains et certaines. Hein. D'accord ? Donc là, le trafic, c'est la carte du travail. Donc faites attention. Mais vous avez gain de cause puisque grâce à ce procès hein, que vous vous êtes battu, qui est quand même en dominance par rapport à ce tirage du destin, on nous parle de changement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être pour moi, qui va commencer à partir, hein, puisque vous avez quand même les projets qui se mettent en place, mais vous devez passer par cette procédure. Et en passant par cette procédure, vous allez vaincre sur cette personne ou ces personnes qui ont essayé ou qui vous ont trahi, peut-être dans le domaine du commerce, du travail. D'accord ? Il y a le changement qui arrive pour vous. On nous parle quand même de colère. Donc, en plus, vous voyez, cette carte de trahison, cette carte de colère, le feu est à côté de cette carte de trahison. Donc, c'est une situation qui vous a quand même agacé, hein, qui vous a énervé. On nous parle de colère aussi concernant une invitation. Donc, peut-être que justement, là, il y a de la colère vis-à-vis de ces gens ou de cette personne qui essaye, si c'est dans le domaine familial ou autour de vous, avec qui vous êtes en procédure, veut peut-être essayer d'arranger les choses, voyez, mais faites attention. Donc, il y a une colère, là, vis-à-vis d'une invitation. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous n'allez pas y aller? C'est à vous. Moi, pour moi, vous n'allez pas y aller parce qu'on vous annonce la fin d'une situation. Il y a la fin qui se termine, hein, voyez, la fatalité, le changement. Juste derrière. Donc, il y a vraiment une situation où, pour certains et certaines, vous allez être ou vous êtes en procédure. Pour moi, là, grâce à ce changement, ça se termine. Et en se terminant cette procédure, hein, vous allez pouvoir amener à vos projets vraiment les réaliser. Mais suite à ça, ou avant cette procédure, cette femme ou cette personne, ou cet homme, hein, ou plusieurs personnes, on voit qu'il y a de la colère, ils essayent de vous manipuler, d'arranger les choses. Non, vous n'allez pas céder, il y a la situation qui prend fin là. Vous allez être cash, clair et précis. On nous parle de vous, hein, messieurs Capricorne, ou vous, mesdames Capricorne, ou de votre partenaire. On voit bien que c'est vous qui tranchez, c'est vous qui mettez fin à tout ça. On voit que vous n'êtes pas bien, on voit que cette situation vous a complètement contrarié, vous n'avez pas été bien. Pour d'autres Capricornes, amis Capricornes, peut-être qu'il y a un rendez-vous à l'hôpital, peut-être que vous allez faire des examens puisqu'on a le cloître, c'est aussi la carte de l'hôpital. Vous pouvez aussi apprendre que des gens autour de vous, peut-être que cette personne-là ou ces personnes-là, suite à ce procès, auront de la prison à faire ou du sursis, en tous les cas, ils vont être condamnés. Voyez, et vous vraiment, mes amis Capricornes, vous n'êtes pas bien hein, face à une situation. Hein. Quand vous avez le cloître et la maladie, il y a vraiment une situation qui vous a rendu mais malade, vous n'étiez pas bien. Donc, c'est une confirmation concernant le procès, c'est une confirmation aussi pour vous, mes amis Capricornes, peut-être une hospitalisation, une opération prévue. Alors, bien évidemment, je ne parle pas pour tout le monde, hein, c'est vraiment pour les personnes qui sont au courant, qui vont devoir aller se faire hospitaliser, puisque là, quand vous avez l'hôpital, le cloître et la maladie, c'est qu'on veut, on veut pas y aller. Hein. Donc voilà, il y a une situation qui vous rend malade. Alors suite peut-être à cette trahison, suite à ce procès, vous vous en rendez malade, mais ça peut être aussi pour vous, hein, c'est confirmé, ou pour votre partenaire, il y aura peut-être une opération qui se fera ou qui sera prévue, ou qui est prévue, hein, d'accord ? On va regarder tout ça. On nous parle de gens qui ne sont pas bons autour de vous, qui vous espionnent. On nous parle de gains, de petits présents, de cadeaux, de fêtes. Et on vous dit que vous êtes appuyé. Donc moi, je vous dis sincèrement, vous devez passer par une situation, mes amis Capricorne, bien évidemment, où il y a la procédure, quoi qu'il arrive, ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine du travail, vous mettez à votre sauce. Quoi qu'il arrive, vous avez gain de cause, vous vous êtes battu, vous êtes épuisé, on a cette carte de fatalité, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, on voit bien que c'est vous, mais là, je pense que vous avez besoin d'un check-up, là, parce que de vous remettre de toutes ces émotions. Et on vous dit bien que ces gens, alors c'est peut-être des gens pas bons, des gens, ça c'est sûr, qui sont malades dans leur tête, qui vous espionnent, que ce soit au travail, que ce soit dans le domaine de la famille, ça va vous énerver, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, vous avez gain de cause, on a la fête, on a la célébration avec cette main qui se tend, hein, les confettis, et on vous dit que vous êtes appuyé, que ce soit sur terre ou là-haut. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour vous, mes amis Capricorne. Alors, ce que je vais faire pour le petit bonus en plus, puisqu'il y a quand même des cartes négatives, d'accord, puisque je suis qu'à 9 minutes, hein, autant y aller. Autant recouvrir les cartes. Ouais, je fais ça. Allez.
la discussion vive. Alors voyez, la discussion ou le procès qui se termine, grâce à ce procès qui se terminera, comme je vous ai dit, on ressort cette carte de projet. Vous allez enfin souffler, vous allez enfin vivre pleinement votre nouvelle vie. D'accord ? Donc ça, c'est bon. On nous parle tout ce qu'est la colère. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive, même si vous vous emportez. On vous dit que vous êtes protégé. Ça ressort aussi cette carte-là. Hein. On nous parle de faites attention à cette trahison, quelque chose d'inattendu. Donc, peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Peut-être que ça ce n'est pas encore produit. Moi, je dirais que oui, mais peut-être que ce n'est pas encore arrivé. Donc, soyez sur vos gardes concernant des gens pas bons autour de vous. Ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine professionnel. D'accord ? On va essayer de vous avoir. Là, pour certains et certaines, on voit que vous êtes vraiment pas bien. Il y a vraiment une situation. Je vais recourir ces deux cartes-là. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. Ou c'est votre corps, hein, c'est vous, comme je vous ai dit. Il y a ce relâchement. Vous vous avez tellement mis de la pression, vous vous êtes tellement donné par rapport à cette situation-là que là, franchement, vous tombez. Vous voyez, vous tombez, mais on va recouvrir. Parce que là, votre, c'est comme si, vous voyez, vous relâchez. Et le corps, il est comme ça, hein, quand on s'est tellement donné. Alors, ça peut être une domaine aussi dans le domaine sentimental, hein. Ça peut être aussi une procédure concernant le couple. Vous êtes peut-être toujours attaché à cette personne. Vous êtes en pleine procédure et vous avez du mal. Vous avez du mal. Hein. Peut-être que vous allez, on va vous annoncer que la personne que vous aimez vous quitte. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose où... Là, il y a quelque chose vraiment où... Ouais. Les amis Capricorne, je ne me rappelle plus ce que je vous avais sorti au mois de juillet. Faudrait que je regarde. Bon, il y a une... là, alors pour certains... On vous dit que vous n'êtes pas bien parce que vous avez du mal à avoir un enfant, d'accord ? Pour d'autres, on a ce besoin de, voyez, vous vous relâchez, votre corps se relâche face à une situation qui a été emprisonnée, vous n'avez pas été bien, et grâce à cette situation qui va prendre fin, on vous dit que vous repartez sur de bonnes bases. Allez, on recouvre l'amour. Bon, ce n'est que passager, hein, d'accord ? Peut-être que pour certains, vous êtes vraiment accroché à votre chair et tendre, que vous en êtes malade, hein, vous êtes possessif, mais en tous les cas, vous avez la réussite. Donc là, le domaine amoureux, peut-être qu'il en prend un coup aussi, hein, parce que le fait que vous désirez un enfant, pour certains et certaines, hein, bien sûr, hein, mes amis Capricorne, hein, tirage général, et pour celles et ceux aussi qui sont en âge pour avoir un bébé. Donc peut-être que justement, vous avez peur, étant donné que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, vous avez peur que ça n'arrive pas, et on vous dit que oui, ça arrive, et la réussite est là. D'accord ? Donc ça pouvait peut-être un petit peu, où vous avez eu peur d'impacter, ça impacte votre couple. Mais non, on vous dit qu'il y a une situation, mes Capricornes, pour ce mois de juillet, qui va prendre fin, qui vous a pris beaucoup, beaucoup d'énergie, mais ça commence à se déblayer, d'accord ? Méfiez-vous quand même à tout ce qui est trahison, même si vous n'y attendez pas. Il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui essayent de vous avoir, mais pour moi, vous le savez déjà, d'accord ? Peut-être que vous êtes déjà en procédure avec cette personne-là. Donc, méfiez-vous quand même. D'accord, mes amis Capricornes ? Alors, encore mille excuses. On se retrouve le mois prochain et là, j'espère de ne pas oublier de vous faire le tirage du destin, quand même. Gros bisous, ciao, ciao, bye bye.